Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 59e review consacrée à l'anime Dino Daiboken. Cet épisode intitulé Les Survivants a été diffusé le 27 novembre 2021 et couvre le début de l'attaque du dieu du mal sur le monde ainsi que la discussion de Mother Dragon avec Dai. Il adapte les événements de la fin du chapitre 213 jusqu'au premier pas du chapitre 217, terminant ainsi de couvrir le tome 23 de l'œuvre originale. Nous allons ainsi pouvoir débuter le tome 24 qui sera riche en introspection. Pas de combat dans l'épisode 59. La Toei a donc une nouvelle fois sous-traité cet épisode au studio Voln. La mise en scène de cet épisode a été confiée à Michiru Itabizachi, dont c'est sa première participation. Bien que freelance, le jeune réalisateur a gardé quelques contacts chez Voln, où il a réalisé quelques épisodes de Karakuri Circus et Back Aron. Satoru Nishimura a dessiné le storyboard pour une seconde semaine d'affilée. Et encore une fois, c'est de l'excellent boulot. La réalisation de l'animation de Mika Takahashi reste très propre comme toujours. À défaut de montrer des animations impressionnantes, son trait douci à la perfection à cet épisode posé, où il fallait montrer toute la grâce du nouveau personnage introduit. Il est enfin temps d'analyser cet épisode 59 qui, nous le pourrons le voir ensemble, il fut très proche du manga malgré quelques inversions de scène. Allez, c'est parti. L'épisode débute tandis que le Vern Palace se dirige vers la ville de Portos, dans le royaume de Romos. La musique et la mise en scène présentent un ton auquel la série ne nous avait pas toujours habitués. L'armée du mal a gagné et va répandre la mort sur la surface de la terre. Ainsi, l'ombre du palais recouvrant la ville et l'ambiance du chaos dans la rue est bien retranscrite. Dans le manga, les villageois couraient également pour leur vie et certains se cognaient même dans les tonneaux pour marquer la sensation de terreur. A la base, ce passage marquait la fin du chapitre 213. On pouvait voir l'effet dévastateur du pilier envoyé sur la surface qui rayait tout sur son passage. Un texte accompagnait sobrement la dernière page du chapitre où l'on se demandait si le monde courait irrémédiablement à sa perte et la direction était volontairement pessimiste. Cette adaptation nous présente une scène inédite dans laquelle le roi de Romos assiste impuissant à la destruction de son royaume. Le magicien Fobster se téléporte devant le souverain pour lui donner des nouvelles provenant de la reine de Karl. Sa majesté semble médusée par les événements et ses quelques secondes de rajout sont une bonne idée pour développer un peu les divers survivants. Pendant ce temps, à Ozam, l'équipe de faux héros se cache dans les terres glacées afin de pouvoir échapper aux hostilités. L'intérieur de l'igloo reprend parfaitement celui de la case de base du manga. Et Deolin ainsi que Zorbon semblent avoir toujours aussi froid. Hero-Hero et Masofo sont aussi de la partie et rapportent du poisson. Malheureusement pour eux, le Vern Palace envoie aussi un pilier là où ils se trouvent. Leur réaction humoristique tranche pas mal avec la tragédie du moment, mais elle reprend très bien le matériel d'origine et le style d'Inada. On a le droit à des faciès très marqués avec plein de morve. L'équipe finit emportée par le souffle tandis que Deroline se demande bien où se trouve le vrai héros. D'ailleurs, c'est assez drôle d'entendre son Seiyu Hiroshimono se lâcher autant que pour Zenitsu. Le personnage n'était pas aussi comique au début de l'aventure. Dans le manga, la case de l'impact du pilier était splendide, mais étant donné qu'elle était en noir et blanc, cela pouvait limiter la compréhension. Ici, on peut voir qu'il n'y a plus aucune neige autour et on peut mieux mesurer l'incroyable puissance déployée. Le fourbe Zabura observe la scène depuis le palais flottant et Mitzvorn arrive. Dans le manga, deux fonds différents étaient utilisés pour présenter les deux protagonistes, comme pour marquer le fossé qu'il y avait entre leur état d'esprit respectif. Le sorcier est ravi de sa nouvelle promotion et d'avoir trahi Adlar, ce qui a l'air de déplaire à Mitzvorn, alors qu'il est d'habitude si silencieux. L'éminence grise demande à Zabuera s'il savait que le cœur des ténèbres était en Adlar, et évidemment, le perfide personnage avait pu s'en apercevoir lors de ses expériences sur le corps du roi du mal. La légèreté de sa réponse était marquée par un fond humoristique dans la case de base, dont les intentions ont aussi été reprises dans cette adaptation. Tant qu'un plan va dans le sens de Zabuera, il n'aura aucun cas de conscience. Mais ça ne fait pas rire Mitzvorn, dont les yeux brillent de mille feux. La case d'origine était d'ailleurs incroyable, car même sans voir son regard, les effets lumineux réussissaient à dévoiler toute sa fureur envers cette raclure de sorcier.
Il menace son nouveau subalterne en lui enfonçant son doigt sur le front et en le faisant saigner comme dans une des cases de l'œuvre. L'ancien légat des ombres respectait Adlar, et bien que Zaboera ait aidé le dieu du mal, il n'est pas dupe. Le sorcier serait capable de tromper n'importe qui pour son intérêt. Alors que Mizvan quitte les lieux, Zaboera réfléchit à voix haute, alors qu'à la base il ne faisait que penser avec des fonds illustrant son introspection. On retrouve Pop et Mam échoués sur la plage. À ce sujet, deux pages ont été supprimées. En effet, dans le manga, on pouvait voir Pop complètement épuisé dans la mer et ne pouvait plus utiliser l'aura. Il souhaitait dire une dernière chose à Mam avant de mourir, mais il tombait dans les vapes. La jeune femme était alors la seule à pouvoir les sauver. C'est un peu dommage d'avoir retiré cette partie, cela permettait de développer la relation entre les deux personnages. Toujours est-il que la jeune fille a réussi à les ramener sur la terre ferme et Pop la regarde avec tendresse, un des beaux plans de l'épisode. La pause est de courte durée puisque le magicien voit un grizzly s'approcher d'eux. La sensation de danger est accentuée grâce à un beau travail sur les ombrages, sur le monstre ainsi que sur son regard. Fort heureusement, l'animal est un membre de l'escouade de Chu. Le suspense est plutôt bien maintenu dans cette adaptation. Cependant, dans l'œuvre d'origine, on avait l'avantage l'impression qu'il allait passer à l'attaque dans une des cases, ce qui a été retiré ici. Pop et Mam sont ainsi retrouvés par un petit groupe constitué de Hakim et Nova. Les échanges sont inédits au manga. Ici, on apprend que l'équipe s'est réfugiée dans une forteresse grâce à l'aide des chevaliers de Karl. De plus, le nom de la reine Flora est évoqué. Dans le manga, c'est différent. On peut voir Pop et Mam être accompagnés dans le nouveau quartier général, pendant que Gomez et d'autres combattants s'occupent de ranger des affaires. Hakim indiquait alors à Pop qu'une femme les avait sauvés, et le magicien parlait de la souveraine comme d'une bombe, pour reprendre les termes de la version française de Fédois Lamaudière. Il faut dire que la page qui concluait le chapitre 214 présentait en effet la reine avec une grande élégance et une grande beauté. Léona explique que le Vern Palace tire un pilier par jour, et dans le manga, on avait le droit à une petite carte pour nous montrer où les tirs avaient été effectués. Pop ne voit pas comment il pourrait réussir sans ses frères d'armes, et alors que la princesse ne trouve aucun mot pour leur redonner du courage, une voix réconfortante résonne dans la pièce. Nous découvrons ainsi la reine Flora, un personnage qui deviendra récurrent dans l'aventure. Elle semble un peu plus jeune que dans le manga, où ses traits matures étaient légèrement plus appuyés. Ceci étant dit, cela avait été aussi appliqué sur d'autres personnages, comme le design de Yunkel par exemple. La reine Flora est doublée par Ri Takahashi, rien de moins que l'une des séries les plus populaires du Japon. Elle a pu incarner plusieurs personnages comme Emilia dans ReZero, Megumin dans Konotsuba, Utao dans Genshin Impact ou encore Mash dans FGO. Habituée à des rôles plus comiques, Ri Takahashi nous montre à quel point elle est talentueuse et est capable de jouer un personnage plein de grâce. C'est grâce à la reine que Léona et le reste des troupes a pu être sauvés lors de l'assaut à l'encontre du royaume de Karl. Dans le manga, un fond sous forme de flashback nous rappelait le moment où un mystérieux personnage avait fait son apparition pour leur porter secours. La reine a réussi à toucher le cœur des disciples d'Avan en leur parlant de leur maître ainsi que du père de Mam, Loka. Le souvenir des chevaliers de son armée est bien retranscrit ici, avec un fond orangé pour reprendre les intentions colorées de la case de base. Un flashback nous présente alors la reine quand elle était plus jeune et durant la guerre contre Adlar. Les plans nous permettent de mieux apprécier la population, tandis que dans le manga, on ne voyait que quelques villageois l'acclamer. Le design de la jeune Flora pourrait rappeler l'apparence de la princesse Laura de Dragon Quest 1. Alors que tout semblait perdu contre Adlar, Avan avait réalisé un trait d'humour pour redonner du courage au chevalier et à la princesse. Le flashback se termine en utilisant des plans harmonie de Flora et de Maître Avan, particulièrement réussis. Dans le manga, divers types de fonds étaient utilisés pour marquer combien l'ancien héros avait été important pour elle. Bien qu'elle soit au courant de la mort de Maître Avan, Flora souhaite continuer à faire vivre son héritage. Pop et Mam se disent qu'elle était très attachée à leur maître, mais dans la version française de Fédois Lamaudière, il est bien précisé qu'elle en était amoureuse. Ses paroles redonnent du courage aux disciples qui se relèvent pour continuer le combat. Évidemment, Pop ne peut pas faire l'impasse sur la beauté de la reine. À la base, il calculait son âge et se disait qu'on ne pouvait pas deviner qu'elle avait la trentaine. La sentence est immédiate et il est assommé par Mam et Léona, en reprenant savoureusement la planche de base. Et bien qu'il dispose ici de deux grosses bosses, dans le manga, il traversait carrément le plancher.
Ce petit interlude humoristique est très vite stoppé par Boson qui les prévient que le dieu du mal s'attaque à présent à Ringaya. Dans l'œuvre de base, Nova avait alors un faciès très marqué, ce qui a complètement été supprimé ici. L'envoi du pilier est impressionnant et la vue sur la ville nous donne une idée du carnage. Dans le manga, on ne pouvait pas voir cette vue aérienne et c'est une bonne idée d'ajout. Pendant ce temps, bien que son plan se passe à merveille et qu'il peut tranquillement perpétrer son génocide, Vern s'ennuie. Rien ne peut plus désormais se mettre sur son chemin. Pourtant, Kilvern tire les cartes pour voir l'avenir et le prévient qu'un élément perturbateur ne tardera pas à intervenir. Dans le manga, on pouvait voir que le jeu de cartes était à l'effigie de la sinistre faucheuse, ce qui apparaît ici aussi, mais le temps d'une demi-seconde. Vern arbore toutefois son sourire confiant et révèle qu'ils vont devoir utiliser des prisonniers, sans que l'on sache à qui il fait référence. C'est sur cette phrase que se terminait le chapitre 215 et également l'incroyable volume 23. On se tourne à présent vers le royaume de Terran, dans lequel Mother Dragon apparaît dans le ciel et réveille les villageois. L'animé va nous faire vivre un moment d'une rare délicatesse, avec l'adaptation d'un passage particulier du manga. Dai se réveille dans une dimension immatérielle, au sein de l'esprit de la mère des dragons. Mother Dragon pourrait faire penser à la reine des dragons dans Dragon Quest 3, une créature proche de la mort qui nous offre l'orbe de la lumière avant de pondre l'œuf qui donnera naissance au Dragon Lord. On sent que Riku Sanjo s'en est inspiré pour créer le concept des chevaliers dragons, et on peut dire qu'il a vraiment réussi à magnifier cette inspiration. L'ambiance reprend très bien celle du manga, notamment avec l'utilisation d'échos et de couleurs claires pour Mother Dragon. Dans le manga, les paroles de la créature n'utilisaient jamais de bulles, et le texte était affiché avec la convention utilisée pour les descriptions. Cela donnait la sensation qu'elle s'adressait directement à l'esprit de Dai. Cette sensation a vraiment bien été adaptée. La mère des dragons est interprétée par Keiko Toda, qui est davantage actrice qu'une seiyuu, mais qui interprète tout de même Itomi Kisugi dans Katsai, et le très célèbre empamant depuis plus de 30 ans. La musique est douce et marque la nature quasi divine de cette entité. L'utilisation de la flûte accompagne magnifiquement les explications de la mère sacrée, comme si elle nous contait une vieille légende. Dai sera le dernier chevalier dragon, Mother Dragon ne peut plus engendrer un nouveau et il ne sera de toute façon pas assez puissant pour vaincre les puissances du mal. Elle demande au jeune garçon d'oublier ses rudes combats et que son âme retourne au monde céleste, tout en ouvrant majestueusement les ailes. Dans le manga, Dai semblait accepter son sort et son faciès était légèrement plus résigné. On sentait à quel point les batailles l'avaient épuisé. Il est pourtant impossible pour la mère sacrée d'emporter Dai, car aussi impossible que cela puisse paraître, il posséderait deux âmes. Contre toute attente, l'âme de Baran apparaît à ce moment-là. Le chevalier dragon explique à sa génitrice que c'est sa mort qu'elle a ressentie et que le jeune garçon peut continuer le combat. La douce musique du thème de Baran sublime le passage et marque une nouvelle fois la sensation de vivre la légende des chevaliers dragons. Pour l'ancien légat, Dai est l'ultime don des dieux pour combattre et apporter l'équilibre. Il supplie sa mère d'accepter et l'épisode reprend un échange de regards absolument superbe entre Baran et la mère sacrée des dragons. La scène prend son temps et sera probablement un véritable bonheur pour les fans de la première heure. Mother Dragon accepte finalement de donner le reste de son énergie à Dai pour rematérialiser son corps. Dans le manga, cette sensation de transfert était explicite, avec une planche sur le corps du jeune héros qui recevait l'énergie de l'étrange créature. Baran livre ses derniers encouragements à son fils, mais Dai est persuadé qu'il n'est pas à la hauteur. Le chevalier dragon s'évapore tandis que Mother Dragon illumine le ciel et fait disparaître son corps. La page du manga était superbe, avec un jeu noir et blanc incroyable sur le corps de la mère sacrée. Comme un symbole, le corps du jeune garçon descend devant la stèle utilisée pour vénérer les chevaliers dragons. Notre pauvre petit héros est vivant, mais à moitié inconscient, et des larmes coulent sur ses joues tandis qu'il fait appel à son père défunt. Son corps est téléporté pour qu'il puisse retrouver ses amis, et la princesse Léona pleure à chaudes larmes le retour de son petit héros. Pourtant, nos amis n'auront pas le luxe de profiter de cette réunion, étant donné que l'armée du mal annonce l'exécution prochaine de Yunkel et Crocodine. Dans le manga, ces mots étaient accompagnés d'une planche qui montrait les deux anciens légats être torturés. Cette page concluait le chapitre 216 du manga. L'adaptation va un peu plus loin en nous montrant comment l'armée du mal avait annoncé la sentence. Les démons se servent ainsi des miroirs
pour envoyer leur message, probablement avec des lettres de sang. À moins que cela soit du vin, au vu de la réserve du dieu du mal. Le souci du détail est préservé et le texte est visuellement identique à celui que l'on pouvait voir dans les planches du manga. Chaque souverain avait une réaction différente, mais nous n'en dirons pas plus pour le moment. L'épisode se termine tandis que nous pouvons voir Yunkel et Crocodine enchaînés dans une des cellules du Verne Palace. Comment nos héros vont-ils bien sauver leur frère d'âme et survivre à un piège évident? Rendez-vous la semaine prochaine. Un épisode de transition plutôt réussi qui pose les bases pour ce qui nous attend prochainement. L'adaptation se veut fidèle au manga, notamment avec l'effet comique des faux héros ou les faciès ridicules de Zaboera. La reine Flora dégage beaucoup de grâce et sa seiyuu Rita Kahachi, malgré un timbre naturel plutôt aigu, réussit à s'adapter avec beaucoup de professionnalisme. La discussion avec Mother Dragon pourrait totalement s'intégrer dans l'univers de Dragon Quest. La sagesse de la créature réussit à procurer un sentiment nostalgique qui est encore plus marquant quand on est un joueur de la première heure. Nous avons atteint le point de non-retour et l'histoire continue de monter en puissance. Cet épisode très narratif nous montre à quel point le scénario de Riku Sanjo est cohérent avec son univers. Autant vous dire que vous n'êtes pas prêt pour la suite des événements. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode ? Cette 59e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'ayez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous avez l'âme d'un monteur que vous connaissez Vegas Pro, Filmora, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre, ça sera pas de refus. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.